Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le lundi 1er mars 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Soldats numériques. Et pour ce 11e épisode, j'ai la chance d'avoir avec moi Brenzap. Salut Brenzap. Salut Akina, bonjour à tous. Eh bien, bienvenue, je suis heureux. Donc, je rappelle pour la communauté que tu es un guerrier de l'information qui est arrivé en septembre 2020 sur le théâtre d'opération et tu as rejoint la team Top Gun. Tu proposes une actualité alternative et satirique sous format zapping. Tu abordes de nombreux sujets sensibles comme le Covid-19, le confinement, les masques ou encore les vaccins, les élections US ou la pédocriminalité. À l'heure de la culture du zap, tu fais preuve de créativité avec des productions courtes et rythmées pour toucher un public plus large. Tu tentes de valoriser des pépites et des punchlines qui s'enchaînent pour susciter la curiosité et faire évoluer notre regard sur le monde. Tu es l'auteur déjà d'environ 25 zappings en un peu plus de 6 mois. Tu as déjà plus de 7000 abonnés sur YouTube, 3000 sur Odyssée en simplement donc 6 mois d'existence. Je rappelle que la série Soldats numériques propose des échanges avec des activistes pour mieux les connaître, comprendre leur engagement, parler des projets en cours et réfléchir ensemble aux stratégies possibles pour notre armée de soldats numériques. Notre combat est pour la liberté d'expression. Donc, un grand merci d'avoir répondu positivement à l'invitation du Front Médiatique. Brenzap, c'est vraiment un grand plaisir. Je suis personnellement tes zappings depuis maintenant plusieurs mois. Je t'ai découvert au mois d'octobre et j'ai la chance aussi d'avoir rejoint le groupe Soldats numériques pour pouvoir valoriser tous ces citoyens, toutes ces citoyennes qui contribuent sur la toile à apporter leur regard original et différent sur le monde. Alors, pour commencer, Brenzap, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter pour la communauté qui ne te connaît pas ou peu, s'il te plaît ?